Alors, dans cette vidéo, on va s'entraîner à calculer la distance de freinage à partir d'un petit exercice. Donc, pour le lire tout de suite, sur du béton sec, une voiture peut ralentir à un rythme de 7 mètres par seconde au carré, alors que sur du béton mouillé, elle ne peut ralentir qu'à un rythme de seulement 5 mètres par seconde au carré. Trouvez les distances nécessaires pour arrêter une voiture qui se déplace à 30 mètres par seconde, grand A sur du béton sec, B sur du béton mouillé, et C. Répétez les deux calculs et trouvez la distance qui sépare le point où le conducteur voit un feu passer au rouge et où il freine, en prenant en compte que son temps de réaction est de 0,5 secondes pour qu'il appuie sur la pédale de frein. Donc je vous laisse 2 secondes juste pour mettre sur pause la vidéo et essayer de faire l'exercice, et ensuite on passe à la résolution. Donc ça devrait être bon. Alors la première chose à faire lorsqu'on a un problème en physique comme ça qui implique des distances, c'est de faire un petit schéma pour mieux se représenter la situation. Donc ici, on voit qu'on a un freinage, alors on peut le représenter sous la forme d'une ligne, avec une accélération qui va donc dans le sens inverse de la vitesse, puisque ça permet de ralentir. Donc notre accélération, ça va être un vecteur vers la gauche, un vecteur négatif. Alors sur sol sec, on va l'appeler accélération sec, et c'est de moins 7 mètres par seconde au carré. C'est la première valeur qui nous est donnée, et sur sol mouillé, elle est de 5 mètres par seconde au carré, donc on va l'appeler accélération humide, égale moins 5 mètres par seconde au carré. Donc c'est pas la seule chose qui nous est donnée, on a également la vitesse qui est de 30 mètres par seconde. Alors la vitesse, pour le coup, elle est dans le sens positif, et c'est une vitesse initiale, V0, c'est égal à 30 mètres par seconde. Et puisque la vitesse à la fin s'arrête, sa vitesse finale, elle est de 0 mètres par seconde. Voilà, donc ça c'est les valeurs qui nous sont données, et ce que l'on cherche, c'est de trouver la distance de freinage. Donc ça va être delta x. Delta x, c'est ce que l'on cherche, c'est l'inconnu. Donc maintenant qu'on a nos variables, on va essayer de trouver l'équation cinématique qui permet de résoudre au mieux ce problème. Alors en se laissant un peu plus d'espace, on va descendre tout en conservant nos variables visibles. Donc l'équation cinématique qui semble le mieux correspondre, ça va être v carré est égal à v carré initial plus 2 fois l'accélération par la différence de distance. Donc x moins x0. Alors x, f ou x, généralement la distance finale, la position finale, soit on l'appelle x ou xf pour préciser x final. Donc. Et ça c'est notre équation qui va nous permettre de résoudre ce problème. On voit que c'est celle-ci qui va permettre de résoudre ce problème parce que on n'a qu'une variable qu'on ne possède pas, c'est donc xf, xf qui est donc ici. x0 on peut le déterminer comme étant simplement 0 si on considère que le déplacement commence à 0, ça c'est quelque chose d'arbitraire. On pourrait prendre n'importe quelle valeur, mais ce qui est important, c'est de prendre la différence entre ces deux valeurs, entre le xf et le x0. Et donc là, ce qui va être important de trouver, c'est xf. Alors on va réagencer un petit peu cette équation, de façon à avoir xf d'un côté et les variables qui nous sont données de l'autre. Donc ça va nous donner v carré, ça, on va le conserver de ce côté-là. Il faut faire passer v carré initial de ce côté-ci. Donc puisque c'est positif à droite, on va le faire passer en négatif à gauche. Alors moins v carré 0. Pour aller un peu plus lentement, on va conserver ce qu'il y a à droite pour le moment et on va le changer juste après. Donc on a deux fois l'accélération, l'accélération qu'on avait mise en bleu, deux fois l'accélération par la différence de distance, c'est-à-dire xf moins x0. Alors on descend un petit peu. Maintenant on doit passer deux fois l'accélération ici du côté gauche. Donc puisque c'est une multiplication à droite, on va devoir diviser par deux fois a. Alors on va le faire tout de suite. Donc on divise à droite par deux fois a, on fait la même chose à gauche. Ça nous permet de simplifier à droite. Vous voyez, on peut remplacer par ça, ce qui nous fait 1. Et donc 1, une multiplication par 1, ça ne change rien. On a bien tous nos termes connus à gauche, et on peut maintenant remplacer par les variables. V carré c'est égal à 0 au carré, ça va faire 0 mais simplement on le laisse pour que ce soit clair. Moins vitesse au carré initiale c'est de 30 mètres par seconde,
donc 30 mètres par seconde. On n'oublie pas que c'est également au carré. On divise par 2 fois l'accélération. Alors ici, c'est l'accélération sur sol sec. Donc une accélération sur sol sec, c'est de moins 7 mètres par seconde au carré. Donc 2 fois moins 7 mètres par seconde au carré. En utilisant la calculatrice, ça va nous donner moins 30 au carré divisé par 2 fois moins 7. Ça nous donne à peu près 64. 64,3 pour arrondir à la première décimale. Donc 64,3 mètres. Et on voit bien que le x0, on peut l'écarter puisque c'était simplement moins 0 mètres, c'est-à-dire 64,3 moins 0, ça fait toujours 64,3. Donc notre réponse à la question A, c'est une distance de 64,3 mètres. Alors ensuite, la question B, on nous demande de calculer maintenant sur du béton mouillé. Alors là, c'est simple, on voit parce que la seule variable qui va changer, c'est l'accélération. Donc on a juste à remplacer dans notre équation l'accélération de moins 7 par une accélération de moins 5, et on va voir ce que ça va nous donner. Donc pour être un peu plus rapide, on va simplement faire un copier-coller de l'équation. On va juste rappeler que la première équation, elle correspond à la réponse A, et celle-ci, elle va donc correspondre à la réponse B. Il suffit de modifier les variables qui nous intéressent, c'est-à-dire l'accélération qui se situe en bas, on enlève le moins 7, on le remplace par un moins 5, et on refait le calcul à la calculatrice, ça nous donne moins 30 au carré, ça n'a pas changé, divisé par cette fois-ci 2 fois moins 5, ce qui nous donne donc 90, ou 90 mètres. Alors on voit bien la différence, lorsque le sol est mouillé, on a quand même presque 30 mètres de différence sur le freinage, ce qui est assez considérable pour une distance aussi courte. Alors maintenant qu'on a résolu le petit a, le petit b, on va passer au c. Le c qui nous dit répéter les deux calculs et trouver la distance qui sépare le point où le conducteur voit un feu passer au rouge et où il freine, en prenant en compte que son temps de réaction est de 0,5 secondes pour qu'il appuie sur la pédale de frein. Alors on va copier l'énoncé pour l'avoir sous les yeux et on va le résoudre. Donc on le met ici. Alors maintenant il faut essayer de comprendre la situation, et la situation c'est qu'au début on avait simplement une ligne qui représentait notre freinage, maintenant on prend en considération le temps de réaction. Donc on va rajouter un segment sur cette ligne, et considérer que le premier segment va être la distance qui est parcourue lors du temps de réaction, et la deuxième distance, c'est la distance que l'on a déjà calculée, c'est la distance de freinage due simplement au frottement des roues sur la route. Donc première distance, ici on a le temps de réaction. Et ensuite on a la distance de freinage à proprement parler. Et ces deux distances additionnées vont nous donner le freinage complet en prenant en compte le temps de réaction. Donc ici le freinage c'est simplement A ou B, c'est-à-dire le freinage sur sol sec ou sur sol humide, ce qu'on a calculé dans les questions A et B. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer le temps de réaction ? On a toujours notre vitesse initiale, et la vitesse initiale, puisque c'est la vitesse au moment du freinage, on va considérer que c'est la vitesse moyenne lors du temps de réaction. Donc plutôt que d'être la vitesse initiale, c'est la vitesse moyenne lors du temps de réaction, c'est-à-dire 30 mètres par seconde. Pendant ce temps de réaction, cependant, il n'y a pas d'accélération, puisque la voiture continue son trajet sans modifier sa vitesse. Donc l'accélération, elle va être 0. Accélération égale 0. Mais par contre, on nous donne un temps de réaction, et le temps de réaction, il va être de 0,5 secondes. Alors, comment calculer une distance à partir de ces trois variables? Il faut utiliser l'équation cinématique suivante. Donc, x, la position, c'est égal à la position initiale, x0, qu'on a déterminé être simplement 0, plus la vitesse moyenne par le temps. Et là, on voit qu'on a toutes nos variables qui nous sont données, on cherche juste à déterminer x, qui est cette fois-ci du bon côté de l'équation, donc on n'a même pas à réagencer l'équation. Donc on a juste maintenant à remplacer les variables par ce qui nous est donné, et ça va nous donner, on va juste mettre le 0 pour que ce soit bien clair, 0 plus la vitesse moyenne, 30 mètres par seconde, multiplié par le temps qui est de
0,5 secondes, alors on l'avait mis en rouge, 0,5 secondes, on peut simplifier les secondes, puisqu'elles sont à la fois en haut et en bas, et il nous reste bien des mètres, ce qui va bien nous donner une distance. Alors là, on n'a pas besoin de sortir la calculatrice, c'est un calcul qui est assez simple, la moitié de 30, 30 fois 0,5, ça nous donne simplement 15 mètres. Donc pendant ce temps de réaction, la distance qui est parcourue, elle est de 15 mètres. Ça, on peut le remplacer par ici. Alors au final, qu'est-ce que ça nous donne comme réponse? Eh bien, il suffit d'ajouter ce temps de réaction aux deux distances que l'on a calculées auparavant, ce qui donne donc 15 mètres plus 64,3 mètres pour notre première distance, la distance sur sol sec, ce qui nous donne 79,3 mètres sur sol sec. Et la deuxième distance, toujours 15 mètres, le temps de réaction, la distance parcourue lors du temps de réaction ne change pas, et c'est donc 90 mètres sur sol humide, donc 90 mètres, et ça nous donne 15 plus 90, ça fait 105 mètres sur sol humide. Et on a répondu à toutes nos questions. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo.